miséricordieux, compatissant, le Dieu qui nous accompagne, qui nous assiste et qui nous accorde le souffle de vie, le mouvement, l'être et la respiration. Célébrons-le car il est digne de louange, de puissance, d'honneur et de gloire. Nous allons réellement dire merci au Dieu qui nous a donné le souffle de vie et qui nous a permis de pouvoir réellement nous retrouver en ce lieu pour associer nos voix, prier ensemble, demeurer ensemble. Car il est dit, il est doux et agréable aux frères de pouvoir demeurer ensemble. Et que le Seigneur puisse réellement être élevé et glorifié dans toutes choses. Nous prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, sois béni, exalté pour l'amour que tu ne cesses de manifester envers chacun de nous. Nous te sommes reconnaissants et te disons merci parce que nous croyons que chacun tient le souffle de vie de toi et nous avons le mouvement. Nous pouvons réellement vivre, exister parce que toi tu as fait grâce à chacun de nous. Oui, tu nous accordes le jour, tu nous accordes le temps afin que nous puissions reconnaître qui nous sommes et qui tu es pour nous. Et nous te disons merci pour la foi qui nous a été accordée. Et nous avons pu abandonner nos activités, nous avons abandonné nos maisons pour pouvoir réellement venir associer nos voix, venir réellement prier ensemble afin de pouvoir élever ton nom, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci, toi qui es Dieu, toi qui vis, toi qui règnes au-dessus de toutes choses. Laisse que ton nom seul soit élevé au milieu de nous. Laisse que ton nom soit glorifié au milieu des saints. Que réellement cette rencontre soit agréable et doux pour chacun de nous. Et que nous puissions bénéficier, Seigneur notre Dieu, de ce pourquoi tu as appelé chacun de nous devant ta présence, Seigneur. Laisse que la gloire, la louange, l'honneur et la puissance puissent réellement te revenir. Et que nous puissions réellement de tout cœur élever ton nom, Seigneur. Que nous puissions réellement bénéficier de la bénédiction que tu as préparée pour nous dès avant la fondation du monde. Nous te sommes reconnaissants et te disons merci. Toi qui es Dieu, qui vis et règne dans le siècle des siècles, nous t'avons ainsi prié au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Thank you.
Et le Seigneur, tu vas réellement dire merci à Dieu qui t'a fait grâce de pouvoir réellement le connaître, de pouvoir être éclairé par sa lumière, de pouvoir réellement t'identifier à lui et partager réellement sa nature divine. Tu vas dire merci parce que cela ne dépend pas de ta bonne volonté, ni de ta force, ni de ta capacité, mais cela dépend de la grâce que le Seigneur a répandue sur ta personne. Voilà pourquoi nous allons réellement dire merci à Dieu pour la foi, la lumière, la vie qu'il nous donne. Prions au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Merci de nous avoir éclairés. Merci de nous avoir accordé la foi. Merci de nous avoir accordé la force. Merci de nous avoir accordé réellement les capacités. Car nous savons que si nous avons reçu la parole, si nous l'avons acceptée, si nous avons pu réellement éternel notre Dieu, élever ton nom, laisse que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit exalté au-dessus de toutes choses. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Te disons merci Seigneur pour la foi que tu accordes à chacun de nous. Merci pour la nature que tu donnes à chacun de nous. Merci pour la force, Seigneur. Et nous croyons que cela ne dépend pas de nous, cela ne dépend pas de notre capacité, cela ne dépend pas de notre volonté, cela ne dépend pas, Seigneur notre Dieu, de ce que nous voulons, mais de la grâce que tu accordes à chacun de nous. Nous t'avons connu, Seigneur, et tu nous donnes chaque jour la force, tu nous donnes chaque jour la parole, tu nous donnes chaque jour les capacités pour que nous puissions réellement vivre selon ta volonté. Ainsi nous te sommes reconnaissants Seigneur, nous te disons merci Seigneur notre Dieu, merci pour nous avoir fait réellement grâce d'appartenir réellement à ta famille, dans ta race Seigneur, dans ta maison, dans ton alliance, que nous puissions réellement y demeurer. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie d'être réellement parmi les sauvés, la joie de pouvoir réellement être parmi ceux qui ont reçu la parole, la joie de pouvoir exprimer la foi, Seigneur. Laisse qu'éternel notre Dieu, que nous puissions réellement bénéficier davantage de ta grâce et que nous puissions, Seigneur Dieu, élever ton nom au-dessus de toutes choses. Béni sois-tu, toi qui es Dieu, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur, toi qui es règne dans les cieux. Je t'ai dit.
Cette nature divine et accomplir sa volonté. Mais par la grâce de Dieu, le soutien de notre Seigneur, la conduite de l'Esprit Saint, tu pourras réellement participer, réellement à manifester cette volonté et à pouvoir réellement accomplir réellement la parole du Seigneur. Recommandons-nous entre les mains du Seigneur, sachant que nous sommes dans une chair corruptible, à la faiblesse, que le Seigneur puisse nous soutenir et nous éclairer afin de pouvoir dissiper toutes les ténèbres qui sont en nous, pour que nous soyons une lumière dans ce monde de ténèbres et que nous puissions véritablement éclairer ceux qui sont réellement encore incrédules. Nous prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, sois loué, exalté, toi qui as éclairé chacun de nous. Et nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas réellement accomplir ta volonté, car la chair est faible et la chair est en inimitié contre réellement ta parole. Et ainsi, Seigneur notre Dieu, nous prions afin qu'Éternel, que tu puisses réellement nous permettre d'être conduits par ton Esprit, Seigneur, d'être remplis réellement, Seigneur, de ta présence, pour que nous puissions, Seigneur notre Dieu, participer à cette divinité et être éclairé, Seigneur, et devenir une lumière pour ce monde des ténèbres, afin de pouvoir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, afin de pouvoir éclairer ceux qui sont encore incrédules, Seigneur. Fais-nous grâce, ô Dieu, de pouvoir réellement avoir nos ténèbres dissipées pour que nous puissions accomplir ta volonté, pour que nous puissions demeurer dans ton alliance, pour que nous puissions, Seigneur, vivre ta parole, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur notre Dieu, pouvoir réellement nous conformer à ta mort et à ta résurrection, afin de pouvoir réellement ne plus être rédévable à la chair, et que nous puissions véritablement être cohéritiers, et que réellement nous soyons certifiés que nous sommes tes enfants, et que notre nature, c'est de pouvoir réellement participer à la gloire de ton nom, et que réellement nous sommes là pour pouvoir honorer et élever ton nom au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi nous te célébrons, voilà pourquoi nous nous consacrons, voilà pourquoi nous nous donnons à toi, voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, de pouvoir nous guider en tout temps, en tout lieu, pour la gloire de ton nom. Nous te prions ainsi, toi qui es reine dans les siècles des siècles, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Jésus dans la joie,
allons dire merci à Dieu. C'est Dieu qui nous a fait réellement grâce. Et la Bible dit que parce que nous avons reçu cette grâce, que nous puissions véritablement faire très attention. Parce que s'il a réellement coupé l'olivier franc qui est réellement son peuple, le peuple d'Israël, pour pouvoir nous permettre de bénéficier de la promesse et de l'alliance d'Abraham. Et si nous ne sommes pas fidèles, il pourra facilement aussi nous enlever de cette frange de la tige afin que nous puissions réellement être jetés dans le lieu d'arrivée. Prions pour que réellement le fait d'être engagé dans la parole du Seigneur, d'avoir pris la décision de servir le Seigneur, que nous puissions réellement nous attacher à cela, que nous puissions persévérer, que nous puissions réellement avoir le zèle de pouvoir réellement servir notre Dieu, la joie de le célébrer, la joie d'appartenir à notre Seigneur, d'être fier, d'être réellement compté parmi le peuple de Dieu. Parce que le Seigneur nous a fait grâce, il nous a accordé réellement l'entrée dans la maison de Dieu, dans les promesses d'Abraham. Prions que le Seigneur puisse réellement nous soutenir pour que nous puissions réellement aller jusqu'à notre destinée. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour nous avoir réellement accordé le salut. Merci de nous avoir accordé la grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, d'avoir jeté un regard vers le peuple qui ne portait pas ton nom. Celle qui n'était pas appelée ton peuple, tu l'as appelée réellement par ton nom, Seigneur. Nous avons bénéficié de cela et nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, notre Dieu, afin que nous puissions recevoir de toi toute la force nécessaire pour persévérer, Seigneur, dans ce que nous nous sommes engagés à pouvoir te servir, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, nous avons réellement pris cet engagement et nous avons réellement abandonné le monde. Nous avons abandonné réellement les amis et la famille. Nous avons abandonné tout ce qui pouvait réellement nous plaire afin de pouvoir réellement te servir, Seigneur. Donne-nous la capacité de pouvoir réellement persévérer. Donne-nous la joie de pouvoir réellement être compté parmi tes enfants. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, l'amour de pouvoir réellement être dans ton alliance, Seigneur notre Dieu. Car nous savons que sans toi, Seigneur, nous ne pourrons porter de fruits, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons réellement être attachés à toi, Seigneur. Et tu as garanti que celui qui est attaché à toi portera de bons et beaucoup de fruits, Seigneur. Des bons et beaucoup de fruits, Seigneur, notre Dieu. Fais-nous grâce de pouvoir réellement demeurer, Seigneur. Demeurer réellement dans ton alliance, dans la parole. Demeurer devant ta face, Seigneur, notre Dieu. Afin de pouvoir réellement te servir, afin de pouvoir réellement élever ton nom, afin de pouvoir réellement t'exalter au-dessus de toutes choses. Nous te sommes reconnaissants et nous prions pour ton accompagnement et pour ton assistance. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons dit. Alléluia, alléluia, alléluia.
est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Elohim est son nom, Elohim est son nom.
vas prier. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà pourquoi tu vas réellement prier afin que réellement la présence de Dieu dans ta vie puisse manifester réellement la victoire, que tu puisses réellement vaincre toutes les tentations et tous les péchés, que tu puisses marcher sur toute la puissance de l'ennemi, que tu puisses marcher sur le scorpion et les serpents, et que les portes de séjour de mort ne puissent pas prévaloir sur toi, que tu sois réellement un vaillant guerrier qui voit au torrent et relève la tête, que tu puisses réellement par ta foi vaincre ce monde, que tu puisses réellement anéantir réellement tous les pièges de l'ennemi qui tente à pouvoir te détourner de la voie du Seigneur. Tout ce que l'ennemi est en train de pouvoir te jeter pour que tu ne puisses pas servir le Seigneur. Que tout cela soit anéanti, réduit réellement à zéro pour la gloire du nom de notre Seigneur. Nous prions au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu es Emmanuel, Dieu est avec nous. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Si tu es pour nous, la victoire est pour nous, Seigneur. Voilà pourquoi, éternel notre Dieu, nous proclamons réellement cette victoire. Nous voulons marcher réellement sur tous les plans de l'ennemi, sur toutes les tentations, sur tous les péchés, toutes les sueurs et impuretés que l'ennemi est en train de pouvoir réellement nous amener à pouvoir, oh notre Dieu, aller réellement nous suivre. Laisse qu'éternel notre Dieu, que seul ton nom soit élevé, que seul ton nom soit glorifié au-dessus de toutes choses. Et ainsi, Seigneur, nous voulons voir réellement cette victoire du mont Golgotha, où tu as dépouillé les principautés, les autorités, les dignités, et tu nous as fait réellement plus que vainqueurs. Nous voulons marcher, Seigneur, en vainqueur. Nous voulons que notre foi puisse triompher réellement du monde. Nous voulons véritablement, Seigneur notre Dieu, marcher sur la puissance de l'ennemi, sur les scorpions et les serpents, et que les portes de séjour de mort ne puissent point prévaloir sur chacun de nous, mais que nos projets puissent réellement aller l'avant, que nous puissions te servir, Seigneur, en victorieux, que nous puissions te servir dans la victoire, que nous puissions véritablement, Seigneur notre Dieu, vaincre réellement le péché par la crainte et l'obéissance, Seigneur notre Dieu. Nous voulons véritablement, Seigneur notre Dieu, élever ton nom dans la vie de chacun de nous, parce que tu es victorieux, tu es ressuscité d'entre les morts, et tu nous as libérés de l'emprise de l'ennemi, et nous voulons être libres pour te servir. Nous voulons être libres pour pouvoir réellement proclamer ton nom. Nous voulons être libres pour pouvoir réellement exalter ta parole. Toi qui t'es règne au-dessus de toutes choses, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Oh, je vois, j'ai loué.
louange à toi. Que le Seigneur soit réellement ta bénédiction, que le Seigneur soit ta victoire, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous nous recommandons entre tes saintes mains, nous prions afin qu'Éternel, que tu sois celui qui nous accorde réellement tout ce dont nous avons besoin, car sans toi nous ne sommes rien, sans toi Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons rien, voilà pourquoi nous venons près de toi Seigneur. C'est toi qui as la solution à tous nos problèmes. Laisse que nous puissions recevoir de ta part tout ce dont nous avons besoin. Laisse que nous puissions recevoir de ta part tout ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours. Que nous puissions être soutenus dans nos activités, dans notre entreprise, dans nos études, dans tout ce que nous faisons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Oui, nous croyons que Dieu, tu es véritablement celui qui accorde réellement tes grâces et tes faveurs. Laisse que nous puissions en bénéficier au nom puissant et glorieux de notre Seigneur que nous avons ainsi prié. Toi qui viens règne dans le siècle des siècles, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur notre Dieu, nous disons merci pour ce moment où nous avons réellement présenté nos requêtes. Nous t'avons déversé notre cœur et nous croyons que tu es celui qui lit le cœur de tout un chacun de nous et tu nous accordes même au-delà de ce que nous n'avons pas pu exprimer parce que tu connais ce qui est juste et bon pour nous. Voilà pourquoi nous nous disposons et disons merci. Car tu accordes réellement les bonnes choses que tu as préparées pour nous dès avant la fondation du monde pour que notre joie soit parfaite. Laisse qu'Éternel notre Dieu,
que la parole que nous allons pouvoir écouter puisse réellement être une réponse audible à ce que nous avons pu exprimer de nos lèvres, une réponse qui va venir nous guérir, une réponse qui va venir nous apporter la paix, une réponse qui va nous donner réellement, Seigneur notre Dieu, les bénédictions, une réponse qui va pouvoir nous donner la joie et nous combler d'amour. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci, toi qui es Dieu, toi qui vis, toi qui règnes dans les siècles des siècles, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.